Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Feed and Grow Fish dans laquelle je vais tester un mode qui s'appelle Crab Madness dans lequel on va pouvoir contrôler un crabe et uniquement un crabe, vous voyez, Pirate Crab, Trilobite, King Crab et tout ça. Donc on va faire ça aujourd'hui, sachant que je sais que dans la dernière vidéo je vous avais parlé du Mégalodon, du Prognathodon et de toutes les espèces que j'avais déverrouillées. Je vous avais demandé de donner votre avis et j'en tiendrai compte pour la prochaine vidéo. Mais j'avais envie de faire une vidéo entre deux justement sur ce mode là parce que j'avais vraiment envie de le tester et que y a pas mal de personnes qui m'en ont parlé dans les commentaires et qui m'ont demandé de le tester justement. Donc on va faire ça aujourd'hui, mais rassurez-vous, je n'oublie pas de faire la vidéo aussi sur les nouvelles espèces, d'accord. Donc je vais jouer avec le King Crab. J'ai fait exprès justement de le débloquer avant la vidéo pour le tester. Vous allez voir, c'est assez sympa à jouer puisqu'il a deux capacités. La première, c'est un passif. C'est un passif qui lui permet de contrôler tous les crabes verts qu'il va croiser et donc ils vont nous suivre et ça va être notre armée. Et il a un actif qui lui permet en consommant, alors c'est en consommant normalement, c'est où, de l'expérience, qu'on va pouvoir créer des œufs qui vont éclore et qui vont faire du coup des petits crabes qui vont nous suivre et qui vont, je pense, évoluer également. Donc c'est parti, je vais prendre du coup le roi crabe, let's go, voilà, hop, donc c'est parti. J'ai pas spawn au meilleur endroit, hein, j'ai l'impression. Alors bien sûr, bah ça change totalement de gameplay puisqu'on est au sol, alors on peut sauter quand même. Donc on peut sauter comme ça et c'est très stylé parce qu'on essaie de sauter et de grab des poissons en sautant des fois. Donc c'est assez cool, sinon on peut manger les étoiles de mer, du corail et tout ça. Je vais peut-être faire un autre respawn, de toute façon j'ai pas mal d'argent donc je peux me le permettre. Je vais respawn de nouveau juste pour spawn dans une autre zone un petit peu mieux parce que celle-ci est pas terrible. Hop. Voilà, j'ai respawn exactement au même endroit, MDR. Je suis au même endroit les gars, je crois. Oui, je suis carrément au même endroit. Bon, c'est pas grave, attendez, on va essayer de monter un petit peu et de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Alors ouais, des fois c'est un petit peu buggé, j'ai l'impression, quand on se déplace. Par contre, regardez au sol, on a des pattes qui sont un petit peu à travers le terrain et tout ça. Mais bon, ça se passe quand même. Alors, voyons voir, on a un premier crabe vert qui va sûrement se joindre à notre armée. Ça y est, regardez. Regardez, il est avec moi, lui. Donc ça, c'est le passif dont je vous avais parlé. Et là, il me suit. Et du coup, il va me suivre partout. Et normalement, si je cours, il va courir avec moi. Voilà, donc il me suit vraiment partout. C'est vraiment mon pote. Donc ça, c'est cool. Ça va permettre justement d'avoir un mode de jeu où on va vraiment pouvoir faire notre armée. Et avoir vraiment une armée de crabes pour tuer un petit peu tout le monde. Alors, sachant qu'il y a aussi des crabes d'autres couleurs qu'on va pouvoir tuer. Par exemple, le rouge là, hop. Allez, c'est parti. Là, normalement, mon pote va m'aider. C'est parfait. Alors d'ailleurs, j'ai aussi vu dans les commentaires que vous m'aviez indiqué la touche pour pouvoir voir derrière moi. Et également celle pour pouvoir zoomer et dézoomer. Donc merci à vous, ce coup-ci j'en ai bien tenu compte, d'accord. Ah bah tiens, j'ai un autre petit crabe là, je l'avais même pas vu. Du coup, bah, pour information, avec la molette comme ça, si je laisse appuyer dessus, ça me permet de regarder derrière moi. Donc ça, c'est vrai que ça pourrait être vachement utile. Et j'ai vérifié hein, d'ailleurs pour information également, et ça n'est vraiment pas indiqué dans les configurations des touches. Donc c'est vrai que j'avais pas testé la molette, enfin d'appuyer dessus. Et du coup, bah, merci pour l'information. Je comprends pas pourquoi ils ne mettent pas dans les touches, quoi. Enfin, c'est quand même une touche assez utile, donc je comprends pas, vraiment. Mais bon, maintenant je le sais. Donc ça m'aurait servi quand même plus dans la dernière vidéo que dans celle-ci, mais bon, c'est pas grave. Ça me servira certainement quand je referai les vidéos justement sur les mégalodons et tout ça. Ce sera sûrement très utile. Et également, pour zoomer, dézoomer, en fait, c'est juste la molette de la souris. Donc de la faire rouler, hein, le truc normal. Et ça, par contre, c'est bizarre parce que je l'avais testé. C'est vraiment le premier truc qu'on teste hein, pour zoomer ou dézoomer. Et je l'avais testé justement quand je me posais la question. Et il me semble que ça n'avait pas marché. Donc je comprends pas pourquoi et pourquoi ça marche maintenant. Je pense que j'étais tellement gros au moment où j'ai voulu le tester que je voyais pas vraiment la différence. Et du coup, j'ai dû penser que ça marchait pas. Mais peut-être que si je l'avais fait beaucoup plus, je m'en serais rendu compte. Je pense que c'est juste ça. Hein, parce que là, pour le coup, je vous dis, je l'avais testé. Quoi. C'est un peu le truc de base à tester, la molette de la souris. Donc. Ouais non, c'est bizarre. Mais bon, en tout cas maintenant je le sais, regardez, on peut quand même bien dézoomer. Bon après là on dézoome pas mal parce que c'est un crabe, mais encore une fois je pense que avec l'orque niveau 100, dans tous les cas j'aurais été quand même j'aurais été quand même dans une vue assez compliquée. Je vais essayer de rester quand même assez en hauteur. Oh non, je suis un peu coincé. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là je suis level 2, alors je vais essayer de pondre un œuf. Tiens, hop. Alors c'est ça, ça m'a pompé. Oh, regardez, il est là. Ok, faut que je reste à côté ou je peux le grab? Ah, je peux le grab et l'amener avec moi, MDR. Et viens par ici, mon œuf. Je vais laisser là. Oh, ça y est. Ah, ça va vite, hein. Ça va vite. Alors, attendez, on va tuer l'autre crabe. Alors, j'imagine qu'en nourrissant mes petits crabes, ils vont grossir eux aussi.
Donc à la fin, je pourrais avoir une armée assez badass. Du coup, je peux pondre combien là? Hop, 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 hop. Oh là là, on en fait plein. Est-ce que je peux redescendre dans le level? Ah oui, level down. Après, on s'en fout un petit peu de mon level. Enfin, oui, non, parce que ce serait bien que je puisse être tanky aussi, mais... Regardez, on va jouer sur le nombre. Oh là là. Oh là là, je vais avoir une armée dingue. Je vais attendre ici, par contre, qu'ils arrivent tous. Oh là là, regardez, 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 regardez. Oh, c'est trop bien! C'est trop bien! Regardez combien j'ai pu en faire. Ah, c'est génial. Ah, c'est génial. Oh, un poisson en plus qui va pouvoir me servir d'appât là. Alors lui, je le sens bien. Ah, mon pote. Hop là, on le grabe, on le redescend pour les bébés. C'est trop bien! C'est trop bien. Alors le problème, c'est que là, je vais plus avoir beaucoup de nourriture parce qu'ils vont tous se la disputer. C'est ça l'avantage. Je pense que j'ai bien fait au début, justement, de ne pas faire éclore trop de bébés crabes. Parce que ça m'a permis justement de prendre pas mal d'XP au début pour pouvoir en faire pop une belle petite armée déjà. Bah en vrai déjà c'est pas mal. Hein. Bon le problème c'est qu'il m'empêche à moitié de d'avancer là. Eh oh arrêtez! Attendez, j'ai une idée. Il faut sauter. Non mais je peux plus sauter! Il me bloque! Il me bloque! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Poussez-vous! Ouais, faut pas faire des demi-tours avec ça. Hein. Non je l'ai pas eu. Alors ça c'est vraiment un truc qui est très très drôle à faire. On va essayer le tenter ailleurs. Vas-y, je vais me déplacer un petit peu. C'est le... Mais il me saute dessus, genre c'est des ouf. C'est vraiment des ouf. Le truc qui est super stylé, c'est ça, c'est d'arriver à sauter et de choper un poisson en l'air pour le redescendre. Et en gros, faut pas matraquer sa touche pour lui faire des dégâts. Faut vraiment le laisser coincé pour vraiment le redescendre le plus bas possible. Et c'est à ce niveau-là où on va pouvoir le tuer après facilement et on est sûr d'avoir la viande, quoi. Ah, ce serait bien de se tuer un requin ou un truc comme ça aussi. Parce que là, on peut clairement déjà, je pense. Alors, pas un gros requin, mais genre un requin marteau, on se le fait, je pense. Oh là là, mais regardez-les, ils se battent pour de la nourriture. Alors, j'ai peur de nous engouffrer dans une vieille zone. Alors là, par contre. Hop, je vais manger un petit peu moi aussi. Ah non, j'ai rien eu. Eh, moi aussi, les saisons là-haut. Je l'avais vu le premier. Ouais, je pense que j'aurais dû faire l'armée, mais un petit peu plus tard, parce que là, je l'ai fait un peu trop tôt. Et du coup, ils vont tout me voler. Ce qui est pas gênant si on s'en sort bien, mais... Et du coup, faudrait que je trouve quelque chose à manger, quelque chose de conséquent. Parce que du coup, des fois, on a des... Oh! Attendez. C'est un roi? Il y a un roi d'une autre couleur? C'est trop bien! Oula, par contre, faut que je fasse attention à ma vie. C'est trop bien, il y a un autre roi, je savais pas que c'était possible. Il y a un autre roi d'une autre couleur là. Allez hop, on va se faire un petit peu d'XP. Oh, c'est trop trop bien, je savais pas que c'était possible. J'en avais jamais vu. On va manger ses œufs hein, aussi. Hein. Allez hop. Normalement là je m'en sors pas mal. Vas-y, je mange tout en même temps. Level up, level up. Ah, attention parce qu'il met des sales dégâts lui aussi. Hein. Oula, oula, oula. Il y a des poissons qui se mêlent. C'est quoi? C'est des piranhas, je crois. J'ai l'impression qu'il est en train de gagner quand même un peu là, non? Et j'essaie de manger, de manger, manger. On va faire éclore des œufs partout. Une armée. Allez, 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 allez. Parce que je crois qu'il fait pareil, lui. Allez, let's go, let's go, let's go, let's go. Je pensais que je dominais, mais à un moment j'ai pris cher, donc voilà, là je vais avoir une belle petite armée, mon pote. Et du coup, oui, j'ai déjà tué du coup avec un crabe, j'étais à peu près niveau 20. Le crabe niveau 20 est vraiment très gros, hein, mine de rien, il est à peu près aussi gros qu'un requin marteau, ce qui est vraiment pas mal pour un crabe hein, déjà. Et du coup, j'avais tué un requin marteau comme ça, et même plusieurs, c'était assez cool. Donc on peut tuer des petits requins comme ça. Bon, bien sûr, les poissons, j'en parle même pas. Mais par contre, d'autres crabes, je vous dis, j'en avais jamais vu. Hein. Oh, par contre, tout ce que je vais pouvoir manger là, il y a masse de steak. Je vais profiter, moi, je vais manger pendant que mon armée se bat. Oh là là, regardez, regardez, regardez tout ce que je mange. Je me mets trop bien. Après, le problème, c'est ça, c'est que mes crabes, il y en a qui sont morts et je vois pas bien ceux qui sont en vie et ceux qui sont morts. Bon, lui, on va le manger. Oh, je crois que. Ah non, il reste encore le. Mais allez vous battre là au lieu de venir me voler ma nourriture. Mais. Battez-vous! Allez, je vais les aider à se battre contre le roi ennemi. Attention, par contre, je veux pas être trop devant. Je veux pas que ce soit moi qui tank. Nice, on vient de tuer un de ses officiers. Ah, par contre, il y a un de mes crabes qui s'est fait choper aussi. Je dis un de ses officiers parce qu'il était quand même gros, hein, le crabe qu'il avait.
Ok, je veux sortir de là. Je veux sortir de là. Il m'aggrave. Non. Je veux pas mourir. What? Il va vraiment me tuer? Non, faut que je me batte et que j'essaie vite de le tuer. Oh là là, il met du moins de 6 en vrai, il est badass. Oh là là, le poisson! Ok, je suis pas mort, mais il va falloir que je mange. Je crois qu'il est mort, lui. Hein. Faut vite que je le mange, histoire de me remettre un peu de PV, là. Ah, c'est tellement dur juste de le transformer en steak. C'est quoi, ça, là-bas, là? C'est un poisson, là, lumineux? Bon, là, il y a un gros poisson juste au-dessus. Non, mais j'arrive même pas à le mettre en steak. Eh oh! Bon, il est mort, hein, mais c'est compliqué, quoi. Il y a un truc lumineux, on dirait un sceptre ou un truc comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit un poisson. Attendez, je vais aller voir. Parce que j'arrive clairement pas à le tuer, lui. Ah, c'est ça, regardez. C'est ça, c'est un achievement. Un défi de 1. Ok. Ah, mais regardez, j'ai le sceptre, du coup. Je sais pas à quoi il me sert. Je l'ai à côté de moi, là, c'est lumineux et tout. Est-ce que vous croyez que ça me permet de contrôler d'autres styles de crabes? En mode, je suis un peu le roi. Ah, ça y est, nice. Ça se trouve, c'est ça, hein, je sais pas. J'ai pas eu le temps de finir de lire, j'ai pas l'impression que c'était marqué, hein, ceci dit. Mais ok. Bon, là, ce qui m'intéresserait, ce serait... Oula. D'y voir quelque chose, déjà. J'aimerais bien choper le poisson qu'on a vu tout à l'heure, là, du coup. Il pourrait m'être vachement bien. Bon, en tout cas, c'était une belle petite guerre. Je suis vraiment content d'être tombé dessus en vidéo. Vous voyez, je l'avais jamais trouvé, lui. Et c'était pas mal, hein. Vraiment, c'était plutôt cool. Le problème, c'est que le poisson passait parce qu'il y avait de la viande, je pense. Ils font quoi, là? Mais... Eh oh. Vous allez où, là, vous? Ils font quoi? Il y a un truc à manger, encore? Non, je pense pas. Pourquoi ils se bloquent? Suivez-moi, hein. Oh, de la viande, là, encore. Bah, je crois que je vais devoir en pondre des nouveaux parce que eux ils veulent pas venir. Pourquoi ils veulent plus venir? Je crois qu'ils ont un peu bugué. Hein. Bon, là ça va être compliqué de remonter en plus et de trouver une zone intéressante. Ah, ça y est, ils me suivent. Nice. Ah, ils ont vu à manger là, ça y est. Hein. Là ça me suit. Hein. Ah non, je comprends. Tout à fait. J'aimerais bien croiser du coup d'autres crabes, enfin d'autres couleurs, histoire de voir si s'ils sont encore ennemis avec moi ou pas. Je me dis qu'avec un sceptre, je peux être un petit peu le roi incontesté de tous les crabes. Ça pourrait être super stylé. Allez, on remonte, nickel. Voilà, je préfère être un peu plus haut, c'est plus sympa, je trouve. Hop, ça on mange. On en laisse un peu pour les petits. Je suis quand même niveau 6, hein. Mine de rien, la taille du roi est pas mal du tout, là, déjà. Je suis niveau 6, je pense que je suis déjà un petit peu tanky. Je dois mettre des bons dégâts. Il y a un truc là-bas. C'est un crabe? Il a l'air assez gros. Je vais aller voir ce que c'est. Et je vous dis, j'aimerais bien quand même croiser des... Non mais, laissez-moi passer! Alors ça, par contre, c'est horrible. Ça, faudrait peut-être qu'il code de manière à ce que... Oh! Oh là là, je veux le choper, lui, là-bas. C'est quoi, c'est un requin qui est passé? Je sais pas, il y a un truc qui est passé là, assez gros, je le veux. On va se le faire. Bon, déjà, je vais voir un peu ce que ça donne avec ce crabe là, juste en face, parce qu'il a l'air de taille assez conséquente aussi. Ouais, le requin est peut-être un peu gros quand même. J'ai peut-être pas une armée assez grande pour le gérer ici. Je vais me faire one shot. Le problème, c'est que soit je fais une armée plus grande, et du coup, moi-même, je serai plus bas level et je risque de prendre plus cher. Soit je garde avec ça pour être sûr de tanker un peu plus. Par contre, j'ai perdu le crabe là que je suivais. C'est lui à gauche là-bas? Parce que lui il est tout petit là à droite. Bon, déjà même s'il est tout petit, est-ce qu'il va venir me suivre avec le sceptre ou est-ce qu'on va se battre? Non, on se bat toujours. Hein. On se bat toujours, les gars. On se bat toujours. Ok, j'entends pas mal de bruits bizarres, mais je vois rien. Le requin a l'air d'être parti pour le moment. Donc je vais aller voir le crabe. Non, je vous dis, de ce côté-là, par contre, c'est vraiment le truc embêtant. C'est vraiment l'armée qui nous saute dessus et dès qu'on veut faire des demi-tours, du coup, il nous bloque le chemin. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais bon, ça va, ça reste quand même gérable. Bon, finalement, il était pas si gros que ça, lui. Il est mort, hein. Je crois qu'il est déjà mort, en fait. Ok.
Après là ça va, je vais prendre un autre level. Je pense que je pourrais me permettre. Si j'arrive à le manger lui, je vais en répondre je pense. J'ai dit si j'arrive à le manger. Je spam mon clic droit mais j'arrive pas à prendre la nourriture. Non. Ils m'ont tout volé. Ils m'ont tout volé. J'ai même pas réussi à en avoir un. Un petit steak. Ça je le gobe non normalement. Non même pas. Ok, c'est bon, j'ai réussi à en récupérer un petit peu. Ok, bon j'en ai un peu quand même à chaque fois. Je sais pas si je peux aller à la surface, je crois pas. Hein. Ça a l'air assez joli. Non, on peut pas aller plus haut là. Ah, c'est dommage. J'aimerais bien aller sur la plage là, ça a l'air sympa. Du coup, il me faut un poisson là à attraper. Oh, il y a des steaks là à droite. Je vois absolument rien dans les environs. Il n'y a plus rien en fait. Vers où je vais aller du coup? Faut que je fasse demi-tour carrément. Mais vous avez vu comment c'est là à la surface? Ça donne envie hein. Oh là là ma petite armée. Bon vous savez quoi? On va préparer une attaque d'envergure. Allez, allez, allez. Oh là là. Je suis en train de me bloquer avec les œufs. Allez, je reste niveau 5, ok? Je reste niveau 5, mais j'en ai fait énormément. Regardez tout ce qu'il y a derrière, hein, et tout ce qui va arriver. Hein. Surtout, même les œufs, ils me suivent, limite. Ils sont en train de rouler vers moi en mode « Allez, on le suit! Allez, à la guerre !» Oh là là. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Je vous dis, j'aimerais bien juste me choper un bon... Oula, il y a un rocher en face. Ça, c'est le problème, force de regarder derrière. Faut regarder devant aussi des fois. Allez, j'aimerais bien juste attraper un truc. Ah là-bas il y a un petit poisson. Bah après lui je sais que je l'ouvre tranquille. Non je vais me faire un requin, je vais me faire un truc badass moi. Oh là là, regardez l'armée qui descend et tout. Ah c'est trop bien, c'est trop marrant ce mode, j'aime bien. Après ça change totalement le concept effectivement de base du jeu. Bah ça fait bizarre quoi d'être vraiment cloué au sol comme ça. On est un petit peu lent aussi, c'est vrai que des fois il y a des passages où on croise pas grand chose malheureusement. C'est un petit peu dommage. Après ça dépend aussi du spawn, comme je vous dis il y a plusieurs spawns différents et donc vu qu'on a un crabe, bah, c'est très long de changer de zone. Et du coup quand on veut bah, un requin ou un truc comme ça, si on n'est pas du bon côté, c'est pas toujours évident. Après là tout à l'heure je pense que j'aurais pu mais je l'ai peut-être pas assez push. On va essayer de partir de ce côté là et de voir ce que ça donne. Là-bas, là, c'est des petits poissons. Ça, je sais que je me les fais. J'ai même pas envie de les try comme ça. En vrai, ça pourrait être marrant quand même si j'arrive à en choper un là en l'air. Oh ah ouais, alors par contre, là, ils me tombent tous dessus. Je vais être bloqué. Je vais me bloquer. Poussez-vous. Non, ça va, c'est fait de telle sorte qu'ils bougent quand même régulièrement. Du coup, ils vont pas me bloquer comme ça. Ok, les amis, j'ai trouvé un petit quelque chose qui a l'air intéressant là-bas. On va y aller. Juste à gauche, là, je crois que j'ai vu un requin. Ah bah là, il y en a un marteau, déjà. Ok, bon, le marteau, normalement, je me le fais tout seul, je pense, limite. Donc lui, ça se fait tranquille. Ah, je prends quand même des dégâts, hein. Heureusement qu'il y a ma petite armée. Ok, allez. On le découpe, on le découpe, on le découpe. Il y a un poisson qui veut venir aussi. On va le découper avec. Ok, c'est fait. Allez, moi, je veux le steak. Oh là là, j'en ai eu un peu, j'en ai eu un peu. Nice. Allez, le poisson, derrière. Allez, go. Oh là là, les petits bruits. On est 10 000 dessus. Il est mort, je crois. Il est mort, il est mort. Regardez, hey, il y a un crabe. Il est badass hein, derrière moi. Lui, il a bien mangé aussi. Hein. Bref. Oh, un marteau encore. Nice, c'est bon, ça. Ça doit être en spawn, hein, ça se trouve. Ça se trouve, il y a un petit spawn dans le coin. Oh là là. Par contre, c'est un autre requin qui était plus gros que j'ai vu, que j'aimerais bien essayer de choper. Allez, 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 nice. Oh, regardez-moi ce steak. J'en récupère un et je me tire. Oh là là. Par contre, le crabe en face, il est solide. Bon, j'ai bien mangé là, par contre. Hein. Regardez ce crabe en face. Oh, encore un poisson qui veut jouer, là. Ah, il fallait pas venir ici. Hein. Je suis désolé, mon pote. Attendez, le crabe, il est où? À gauche, à gauche.
Ce crabe là-bas, dites-moi qu'il est vert. Non, je pense pas. Ah, mais il fait ma taille, c'est même pas un roi. C'est un rouge. Oh, c'est un rouge. Ok, faut attaquer. Il est vraiment badass, hein, celui-là. Enfin, il était. Allez, on a faim ici ou quoi là? Eh, hey, laissez-moi manger un peu. J'en veux aussi! Oh, le requin, attention! Ils vont être tellement gros, mes crabes, du coup, après. Parce qu'à force de se nourrir comme ça, ça va être ouf. Hein. J'arrive pas à leur carotte. Ah, si, ça y est. J'en ai mangé un peu. Oh, je suis niveau 7, presque 8. Oh, 8, voilà. Je suis niveau 8, c'est pas mal. Il y a un autre crabe assez gros à côté. Allez, poussez-vous là. Laissez-moi avancer. Allez! Ah, mais en plus, il est en train de manger je sais pas quoi, lui, déjà. Oh. Regardez-le, il saute et tout pour avoir la nourriture. Non, non. Non, non, c'est mort. On va la récupérer, mon pote. Bon, là, je vois plus grand-chose. Je peux pas vraiment dézoomer, c'est à cause de ce qu'il y a derrière aussi. Allez, hop, hop. Eh bien, allez-y, là, bossez. Ils sont morts ou quoi? Je crois qu'il y a des morts hein, chez moi. Ou alors ils sont à moitié buggés, ou alors ils sont pas faim. Ah là là, mais c'est trop drôle. La petite armée et tout. En plus c'est marrant avec le sceptre que j'ai moi. Alors, du coup, bon bah maintenant je pense que le requin que j'avais vu au tout début a dû bouger, mais je vais vérifier quand même. Normalement il était juste de ce côté là, il était pas loin. C'est pour ça que j'avais repris la vidéo de base là, après l'ellipse. J'avais vu ça passer et finalement je me suis arrêté sur plein d'autres choses. Bon, qui était tout aussi sympa au final, hein, parce qu'on s'est fait pas mal de requins marteaux et tout. C'était cool. Allez, passe. Il y a pas mal de crabes aussi. Ah, c'est pas évident de marcher ici. Hein. Bon, je vois clairement plus de requins ici. Hein. Non. Bah, après, le problème, c'est ça. C'est que les requins, ils passent parce qu'ils voient qu'il y a des trucs à manger. Et quand il n'y a plus rien, bah, ils s'en vont, quoi. Si, là-bas, il y en a un. Là-bas, je vois un requin, mais je sais pas si c'est un marteau ou pas. De là, je j'arrive pas à saisir. Et en réalité, il a l'air tellement proche, mais c'est si long d'avancer que si ça se trouve, il va bouger d'ici que j'arrive encore. Je vais quand même essayer de le rusher. Puis il faut que mon armée me suive, hein, parce que lui, je pense qu'il va me faire très très mal. Regarde. Ah non, c'est un marteau encore. Ah, de loin, j'ai cru que c'était autre chose, mais non, c'est un marteau. Hein. Non, je pense qu'il y a que des requins marteaux du coup ici, c'est dommage. Ouais, c'est un marteau, c'est un marteau. Ah non, il me paraissait plus gros lui tout à l'heure. Mais j'avoue, de loin, on voit juste sa queue passer, on se dit que c'est autre chose, mais non. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Bon, bah, vous savez quoi? On va terminer sur un truc. On va les tuer, eux. On va les tuer tranquillement. Par contre, je suis le seul à me battre là ou ça se passe comment là? J'ai deux trucs contre moi alors qu'on est en supériorité numérique là? C'est pas normal ça. Allez! Au boulot. Oh le steak. Oh il est pour moi lui par contre. Donne-moi le steak. Allez. Allez, j'ai tout pris là. Tu vas faire quoi? Alors ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais pondre tout ce que je peux. Je crois qu'il y a une limite hein, de toute manière. Mais on va voir. Je vais pondre masse de trucs, vous allez voir. Je ponds depuis tout à l'heure. Hein. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Je peux encore en faire. Mais je crois que c'est 40 la limite. Mais honnêtement, 40, je les ai pas dépassés là. Je fais que spammer. Ça fait genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Non, mais il y a plus que 40, c'est pas possible. Non, mais oui, rien qu'en spammant depuis que je compte, j'en ai fait une vingtaine. Me dites pas qu'il n'y en a pas 40. Oh, mais il y en a, ils sont drôlement gros. Hein. Je vais faire crash le jeu, vous savez, en faire plein. Non mais clairement, la limite de 40, elle y est pas. Hein. C'est pas possible, là j'en fais beaucoup plus. Ah mais regardez la taille de certains, ils font ma... Ouais, ils font ma taille parce que j'ai rétréci aussi, c'est vrai. Oh, regardez l'armée. MDR. Oula, 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 c'est quoi ça? C'est pas le même, lui. C'est un requin blanc? Non. Non, c'est pas un blanc, il est trop petit pour un blanc, non? Je sais pas. Oula, oula, non, non. Bon, je reste en spectateur. Je suis mort, mais je reste en spectateur parce qu'il y a mon armée.
Oh non, je me suis fait focus. Regardez mon armée en dessous par contre. Je reste en spec, hein. Je reste en spec, y'a pas moyen. Hé, les crabes, pourquoi ils s'en vont? Non, battez-vous! J'ai pas fait une armée comme ça pour pas se battre. Ou alors faudrait que je tente un respawn et respawn à côté, mais non. Regardez, ils se battent plus ensemble maintenant que je suis plus là. Ah si, il y en a certains qui sautent. Si, ça y est. Ah, pas tous, il y en a plein qui sont partis, regardez, ils se sont divisés. Ah, ils se sont divisés. Du coup, ils vont pas l'attaquer. Ah non, c'est dommage. Ah, par contre, il m'a tellement ouvert. Mais après, avec l'armée qu'on avait, je pense qu'on aurait pu le tuer. Hein. Je pense clairement qu'on aurait pu le tuer. Hein. Regardez l'armée, mais c'est tout divisé, c'est dommage. Mais vous avez vu tout ce qu'il y avait comme monde? Ah, c'est bien, parce que depuis le début, je le cherche à lui. Et le moment où je dis, je me crée une armée juste pour l'avoir et tout, pour le fun, et puis on va arrêter là, je me fais choper dans le dos, quoi. Ah non, je suis trop dégoûté qu'ils soient pas battus juste ensemble. En fait, que je sois mort, à la limite, c'est pas grave, mais qu'ils se battent au moins à la fin. Parce que regardez, regardez où est-ce qu'elle est, mon armée, là. Regardez ça. Regardez-les. Ils sont divisés. Par contre, vraiment, j'ai abusé sur le nombre. Il y en a là, il y en a là-haut. Bon, là, c'est vraiment le gros groupe, hein, qu'on avait juste ici. Il y en a ici, il y en a jusque là-bas. Bon, là, on peut dire que les crabes verts dominent un petit peu l'océan, quand même. Hein. Ah, c'est assez ouf. Ah là là. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. Prochaine vidéo, je vous dis, je ferai soit sur le mégaloton, soit sur une autre espèce, quoi. Dites-moi un petit peu ce que vous avez pensé de ce mode-là. Après, bon, je pense que je ne le referai pas dans le sens où on l'a fait une fois et je pense que ce sera un petit peu répétitif de refaire la même chose. Mais c'était quand même très cool et ouais, encore une fois, dommage que j'ai pas réussi à me battre contre le requin. Du coup, ça aurait pu être sympa de voir si on arrivait à le tuer. Mais je pense clairement qu'avec l'armée que j'avais, ça aurait pu se faire. Hein. Bon, en attendant, on a tué quand même pas mal d'ennemis et c'était vraiment très très cool d'affronter du coup une autre armée de crabes. C'était vraiment très sympa. Donc, bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi. À très bientôt.